La main du petit enfant éveille en l'adulte un émoi léger, et au fond de sa mémoire palpitent des sensations oubliées. Les doigts des petites mains virevoltent, imprécis mais têtus. Ils veulent toucher, attraper tout ce qui est à portée de main. Sensation première, victoire réjouissante. La main du petit enfant caresse, saisit, serre, puis s'ouvre. Promesse de main aux multiples talents. Place au futur. Place aux mains qui fascinent. Les mains du sculpteur, du jongleur, du pianiste. Les mains du maçon, du potier, du jardinier, les mains du peintre, de l'écrivain, du magicien. Mains d'hommes, de femmes, d'enfants. Mains douces, mains sèches, mains légères, mains lourdes de celles qui font mal, mains caressantes de celle qui ouvre tout plaisir. La main qui dit l'âge, l'usage, la vie, quoi. Et ainsi, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme de la préhistoire a posé ses mains sur les parois protectrices des grottes profondes. Le temps s'efface. Dans la grotte obscure, le petit homme agite ses mains, cherche à maîtriser les mouvements de ses doigts. Il veut attraper, il veut toucher, tenir. Il s'impatiente. Et quand ses doigts parviennent à saisir, à tenir, le rire monte du fond de sa gorge et s'égrène au long des parois. Alors, l'artiste attentif à son dessin se retourne, sourit à l'enfant. Il plonge sa main dans la pâte charbonneuse et, en écho aux petites mains papillonnantes, il applique ses mains noueuses sur la pierre lisse et vierge de Pêche-Merle ou de Lascaux ou bien avant encore de la grotte Chauvet. Correspondance originelle. La vie au bout des doigts. Dehors, c'est la lumière. Cacher les petites mains, empêcher les petits doigts. Celui qui se sent délaissé s'approche. Il se frotte, il tourne, il cherche le jeu des caresses interrompues. Il insiste. Il ignore fièrement celui qui a pris sa place et il se résigne. Il ne les suivra pas. Que fait ma petite main? Elle caresse doudoudou, elle caresse doudoudou. Que fait ma petite main? Elle frappe pam-pam-pam, elle frappe pam-pam-pam. Elle gratte, 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 gris, 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 gris. Elle chatouille, touille, touille, guili, 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 guili. Elle pince, passe, pince, ouille, 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 ouille. Elle envoie des baisers, moi, 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 moi. Elle te dit au revoir.
D'abord l'amorce, deux photos. Et voilà, mesdames, messieurs, le piège commence déjà à se refermer sur vous. Quel piège ? Ah, mais celui de la mignotitude, voyons. C'est un phénomène de ramollissement du cerveau à la vue d'images telles que celle-ci. Mais si, vous vous sentez fondre, vous vous affaissez dans votre siège, attaqué par une vague insurmontable de tendresse, vous soupirez dans un relâchement animal, la tête penchée sur le côté, vous inspirez à plein poumon et dans un souffle quasi-orgasmique, vous vous écriez « Oh, mais qu'il est chaud !» Et maintenant que vous êtes dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire avec le cerveau ressemblant à celui d'une éponge de mer et le cœur chantant en boucle « I love you, baby », on vous sert l'image idyllique de la fusion mère-enfant, de la mère patiente et attentive qui prend le temps de jouer avec son tout-petit. Je vous le dis, manipulation que tout ceci, ces charmants petits bouts ne vous prennent pas votre temps, ils vous le volent, tout votre temps, même les quelques heures de sommeil que vous vous octroyez. Ah, je vous vois venir, j'exagère. Non, mesdames, messieurs, je n'exagère en rien, car je parle, hélas, en connaissance de cause. Mes quatre enfants ont complètement chamboulé ma vie et utilisent leur temps, ou plutôt le temps qu'ils me prennent depuis plus de 20 ans, à réorganiser mon quotidien selon leurs desiderata et leurs caprices, et ceci de façon méthodique et organisée par siphonnage. Je m'explique. Mon étudiant d'office siphonne mes finances. Quant à mon ado, il siphonne ma patience. Mon collégien de fils, lui, siphonne mon frigo. Enfin, le dernier de mes Dalton continue de siphonner toute mes nuits en me faisant systématiquement lever à 2h du matin pour choix A, un verre d'eau, choix B, un pipi, choix C, un câlin, choix D... Attends, maman, je réfléchis. Mais revenons à ces images de propagande. On s'extasie pendant de longues minutes devant un petit dôme qui s'évertue à attraper un banal joué en caoutchouc orange, mais qui vous aura coûté une fortune. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on vous l'aura vendu comme le NEC le plus ultra, le dispositif le plus sophistiqué au monde pour développer l'éveil et l'appréhension de votre descendance. Et vous, hein, pauvre naïf, oui, vous avez cru qu'en investissant dans un truc qui ressemble à un jouet pour chien, votre enfant allait devenir le prochain Einstein. Ah ! Personnellement, j'ai une théorie. La mignotitude est nécessaire à la reproduction de l'homme moderne. Allez, honnêtement, combien d'entre vous ont-ils décidé de procréer après avoir vu des images telles que celle-ci ? Hein ? Oh oui, la mignotitude est une arme de propagande redoutable, car comme vous pouvez le constater ici, même les mâles de notre espèce se mettent à ramper devant leur progéniture. En fait, une larve déguisée en cow-boy, bavant et couinant comme une porte mal huilée et gigotant le plus clair de son temps dans un bain d'acariens. Enfin, encore une fois, je crie à la fake news, on ne vous dit pas tout. Qui vous a parlé des gastros qui se pâtaient comme une patate chaude entre tous les membres de la famille? Qui vous a parlé du prix exorbitant des couches? Qui vous a prévenu que vous devriez survivre pendant des mois avec seulement 3 heures de sommeil par nuit? Alors là, mesdames, messieurs, regardez bien, nous allons atteindre le summum de la mignotitude, encore une fois des images de plénitude pour mieux vous anesthésier, et là, boum! Vous êtes achevés, nous avons là l'arme fatale, le duo imparable, les champions de la mignotitude sur Internet, le bébé et le chat. Vous remarquerez la communion des espèces, celui du monde animal dans une nature glorifiée. Bref, faites des bébés, c'est bon, c'est bio. Je ne me considère pas comme une lanceuse d'alerte, mais au moins, j'ai la conscience tranquille. Vous êtes prévenus. Ah, la mignotitude, c'est vicieux. Ça attaque partout, dans les supermarchés, sur les réseaux sociaux, chez vos amis, et aussi, hein, absolument tout le monde. Mais surtout les personnes faibles, comme moi en fait. Eh oui, j'ai succombé au phénomène de la mignotitude à 4 reprises à 6 ans d'intervalle. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, la mignotitude, ça rend amnésique en plus.